Que Dieu soit béni. Je vous prie de prendre place. Bon après-midi à nous tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Blessed be the Lord for this moment. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. And we believe that the Lord will do us good. Nous avons été richement bénis ce matin. We have been richly blessed this morning. Bon, c'était lent de l'enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche dernier, la semaine dernière. About the teaching which started last Sunday. Où nous parlons sur la loi des semailles et de la moisson. We are speaking about the law of the harvest and reaping. Et aujourd'hui, nous voulons parler des actions de grâce. And today we are going to speak about the action of grace. Je suis très content de voir mes frères depuis longtemps. Welcome, Christian. Bienvenue. Ok, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous parlons des actions de grâce. We are speaking about action of mercy. Nous voulons prendre juste un texte dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 17 au verset 18. Verse 17 and 18. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 au verset 18. On peut même prendre la partie du verset 16. 2 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Yeah. Soyez toujours joyeux. Be always happy. Priez sans cesse. Pray always. Rendez grâce en toutes choses. Be thankful in all things. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. It is the will of the Lord in Jesus Christ. En parlant d'action de grâce, on parle de quoi? Speaking about the action of grace, what are we talking about? L'action de grâce est un acte de reconnaissance. It is an action of being grateful. Envers Dieu qui vient de bon cœur. Toward God. With a good heart. Et cette action de grâce est exprimée d'abord dans nos paroles et ensuite dans nos actes. It is firstly expressed with word and then action. L'action de grâce se définit aussi comme un acte de reconnaissance. It is an act of gratefulness. Une attitude de reconnaissance. An attitude of being grateful. Vis-à-vis de Dieu. Toward God. On a dit que c'est aussi un acte. It is also an action, une parole d'appréciation, and a word of appraisal, une parole de reconnaissance, of thankfulness, et une parole de remerciement, and to thank God, une parole de gratitude, of gratefulness, vis-à-vis du Seigneur, toward the Lord. Donc l'action de grâce est exprimée soit en parole, soit en acte. It can be either expressed with word or through action. En parole, c'est lorsqu'on dit merci. Word, it is when we say thanks. Et en acte, c'est lorsqu'on apporte une offrande, on apporte, on fait un geste pour marquer notre appréciation. And with action, we do a gesture just to show the God that we are thankful. Le mot action de grâce vient du grec eucharisteo. It comes from the word Greek. Eucharisteo. Eucharisteo. Et qui signifie littéralement eucharistie. Which mean literally eucharisté, qui a un trait ou encore un lien avec la Sainte Seine. Which has a thing to do with the Sainte Seine. Dans la Bible, quand on parle d'action de grâce, c'est aussi lorsqu'on prend la Sainte Seine. It is also when we take the offering. Pour marquer au fait notre reconnaissance vis-à-vis du corps de Christ et de son sang coulé à la croix. To express our thankfulness to the body and the blood of Christ on the cross. Alléluia. Il y a des expressions maintenant dans la Bible que nous trouvons qui caractérisent un peu les actions de grâce. There are actions of thankfulness that we find in the Bible. La Bible parle de rendre grâce à Dieu. It is speaking about being thankful to God. La Bible parle de faire des actions de grâce. To do action of gratefulness. La Bible parle d'exprimer les actions de grâce. To express the action of gratefulness. La Bible parle aussi de remercier et d'être reconnaissant. It also speaks about being thankful. Donc les expressions qui viennent d'être citées nous parlent tous de la même chose. All the expressions speak only about one thing. D'une action de grâce. Action of thankfulness. On a vu que l'action de grâce est un grand secret. It is a great secret. Si nous voulons avoir une vie épanouie. If we want to have a delightful life. Une vie bénie. A blessed life. Une vie de productivité. A life that is productive. Une vie équilibrée et une vie heureuse. A life which is balanced and happy. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu sur la terre. Because it is the will, the law of God on earth. Et c'est earth. Un principe dans le royaume de Dieu. And it is a principle in the kingdom vous of God. Vous ne pouvez pas être heureux avec Dieu. You cannot be happy with God. Si vous n'apprenez pas à lui rendre grâce. If you don't learn to be thankful. Et on verra tout à l'heure.
And we will see later, les conséquences qui sont liées au fait de dire merci à Dieu. Nous vivons dans une culture et dans une société qui devient de plus en plus ingrate. We are living in a society which is ungrateful. Dans notre société aujourd'hui, in our society today, il devient de plus en plus rare d'entendre quelqu'un vous remercier après avoir lui avoir fait un bienfait. It becomes more and more rare to see someone thanking you for something. Pourquoi? Why? Les gens deviennent ingrats. They are becoming et c'est l'un des signes de la fin des temps. It is a sign of the end of time. L'apôtre Paul avait dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. The apostle Paul said that in the last time there will be difficult days. Et parmi les caractéristiques de ce temps difficile, and one of the characteristics of this difficult time, on nous dit que les hommes seront ingrats. We say that people will be ungrateful. Les hommes ne vont pas vous remercier. Men will not thank you. Tu as beau leur faire du bien, mais ils vont vous rendre peut-être le mal pour le bien que vous leur avez fait. They will give you back of a good thing that you do to them. C'est une caractéristique de la fin des temps. This is a characteristic of the end of time. Et ce qui est pire encore, c'est que même dans l'église, the worst of all, il y a des personnes the church, qui ne prennent pas le temps d'apprécier ce que Dieu fait et ce que Dieu donne. People don't take the time to enjoy what God gives to des them. Des personnes qui ont difficile à reconnaître la bonté de Dieu, la main de Dieu, en disant simplement merci. They have difficulties in acknowledging the hand of God by saying simply thank you. Pourquoi? Lord. Why? À cause de l'ingratitude. Because of ungratefulness. L'esprit d'action de grâce. The spirit of cette loi spirituelle sur les actions de grâce. The spiritual spirit est en voie de disparition. Is disappearing. Et Dieu m'a dit, dis à l'église. And the Lord told me to tell the church. Et dis à mon peuple. Tell to my people, et quand commencer une nouvelle habitude, une nouvelle attitude, start a new attitude, de ne plus regarder à ce que vous manquez, don't look at what you lack, mais à dire déjà merci pour ce que vous avez. But to say thank you for what you have. Alléluia. Pourquoi? Why? Parce que ce que Dieu te donne, because what the Lord gives to il you, n'est pas obligé de te le donner. He is not forced to give it to you. Est-ce que vous savez que ce que Dieu vous donne, il n'est pas obligé de vous le donner? Do you know that he is not forced to do it? Il n'est pas obligé de te donner la vie. He is not forced to give you life. Il n'est pas obligé de te donner la santé. He is not forced to give you health. Il n'est pas obligé de te garder. He is not forced to keep donc, you. Donc s'il le fait, if he do it, ce n'est que sa bonté. It is because of his alors goodness. Pourquoi ne pas lui dire un merci? So why not saying thank you? Parce que tout est grâce. Because everything is et quand mercy. On parle de la grâce, on voit une faveur qui est imméritée. It is an undeserving grace. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? You have qu'as-tu all. Que tu n'aies reçu? What have you that you don't receive? Apprends à dire merci. Learn to say thanks. Et c'est très important. It is very important. Les actions de grâce, ça prouve que Dieu est bon envers nous. It shows that God is kind toward us. Et il y a deux pièges qui se manifestent lorsque nous ne disons pas merci à there Dieu. There are two traps that happen when we don't lorsque say thanks. Lorsqu'on ne rend pas des actions de grâce à Dieu. When we don't say thanks to God. On tombe dans le piège. We fall in this trap. Le premier piège est le piège des habitudes. The first trap is a trap of parce doing things. Des habitudes face à la générosité de Dieu. It is toward the generosity of God. Vous savez quand vous avez l'habitude d'être généreux avec quelqu'un? When you have a habit of being generous, ça peut devenir to someone, tellement une habitude que la personne oublie même de te dire merci. It becomes so usual that the person forgets to say you. Et you ça thank. C'est dangereux. And this is dangerous. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, when you do good to someone, et que la dite personne vous remercie, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? When someone thank you, it pleases you. Oui ou non? Répondez-moi, oui ou non? Ça vous fait plaisir. It pleases you. Et ça vous encourage à pouvoir faire encore du bien. And encourage you to do good. Mais Dieu aussi est une personne qui ressent les mêmes choses. God also is a person who feels the donc, same thing. Donc si vous dites merci au Seigneur, if you say thank you, Lord, vous permettez à ce que Dieu vous fasse encore plus de bien. You allow God to do you more good. Amen. Deuxième chose, second ou deuxième piège, les actions de grâce action of gratefulness vous évitera aussi le piège des familiarités avec prevent Dieu you from becoming too familiar. Qui ouvre des brèches justement aux murmures, you start whispering. Qui ouvre des portes, des brèches aux plaintes, aux complaintes, aux tout ce qui est mécontentement. Which open the door of complaining. Et je me suis rendu compte que certains chrétiens se plaignent souvent tout simplement parce qu'ils ne voient pas les bienfaits de Dieu. Sometimes Christians complain because they don't see the goodness of the Lord. Le jour où tu vas commencer, bien sûr à partir de maintenant, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il te donne, tu n'auras plus le temps de murmurer pour ce que tu n'as pas. The day that you start praising the Lord, saying thank for what you have, you will pourquoi no Israël complain. A murmuré? Why does Israel complain? Il a oublié que Dieu l'avait délivré de l'Égypte.
They forget that God delivered. Et il a regardé le manque qu'il avait dans le désert. And they see the lack in the wilderness. Mais à chaque fois que tu te souviens de la bonté de Dieu, tu seras toujours reconnaissant et tu ne murmureras pas. Every time you remember the goodness of the Lord, you will always be grateful. Le deuxième secret, c'est que les actions de grâce nous permettent de garder une bonne attitude vis-à-vis de Dieu. Action of grace allows us to have a good attitude toward God. Quelle attitude? Une attitude d'être optimiste. Optimism. Pas pessimiste. Not the negative. Te dire que quelles que soient les circonstances, les problèmes, les choses pourront aller. You say no matter what the circumstances, things will go good. Même lorsque tu passes par des moments difficiles. Even when you go through good, bad même lorsque tu traverses des tempêtes. When you go through a storm. Dieu est capable de changer les situations en ta faveur. God is able to change the situation Dieu in your favor. Dieu est capable de changer le mal en bien. He will change the bad into good. C'est pourquoi sois optimiste. This is why you have to be positive. Vois la solution au travers du problème par lequel tu passes. See the solution through the problem. Ainsi tu rendras grâce à Dieu. You will be grateful to God. Si tu ne le fais pas, if you don't do tu trouveras sujet de murmurer. You will always complain. Tu trouveras un sujet de te plaindre. You will always whisper. Ce qui va déplaire au Seigneur. This will displease the Lord. C'est une loi spirituelle. It is a spiritual law. Il faut accepter. But we have to accept. Pratiquer. We have to practice. Il faut mettre en pratique. We have to practice it. L'action de grâce. Action of grace. Reste aussi, je dirais, demeure le moyen efficace pour bénéficier des bienfaits de Dieu. It is an effective way to benefit from a goodness of the Lord. Qui a besoin d'avoir des bienfaits de Dieu dans sa vie? We need the benefit of the Lord in our life. Apprends à rendre grâce à Dieu. Learn to be thankful to God. Plus tu le fais, the more you do it, plus Dieu va te bénir, Dieu va t'arroser. The more God will bless you. Dans Proverbe 11, 25, il est dit, l'âme bienfaisante sera arrosée, sera bénie. In Proverbs 11 to verse 25, it says, "The one who gives grace." Les actions de grâce attirent la faveur de Dieu. Action of grace attract the grace of un God. Un cœur reconnaissant. A heart that un is cœur thankful. Rempli d'attitude, de gratitude. A heart which is un cœur, full of gratefulness. Un cœur qui dit merci à Dieu. A heart which says thank you, Lord. Dieu aime ça. God loves us. Six choses importantes que vous devez noter, comprendre, qui sont attachées aux actions de grâce. Six important things that you have to take down, which is important. La première des choses, c'est que l'action de grâce doit être une attitude. The first of all is action of grace has to be an attitude. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, l'action de grâce doit être notre attitude. As children of the Lord, it has to become our notre attitude. Notre style de vie. Our style of life. Dans Psaume 110, le Psaume 18, versets 36 à 37. In Psaume 18. Psaume 18, notez Psaume 18, versets 36 à 37. Verse 36 to la parole verse de Dieu déclare ceci. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Et ici, c'est David qui parle. C'est David qui parle ici. It is David who is speaking. Et le grand roi d'Israël. The great king of Israel. On nous dit qu'il avait toujours et constamment une attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. We say that he has always been grateful to la God. Première des choses, il reconnaît d'où Dieu l'a tiré. He acknowledged where God take him from. Quelquefois, on oublie d'où est-ce que Dieu nous a pris. Sometimes we tend to forget that. Est-ce que tu peux te rappeler un moment? Arrête-toi un peu dans ta marche. Rappelle-toi d'où est-ce que Dieu t'a tiré. Just stop and remember from where God take you. Tu verras from. Que tu auras beaucoup de sujets de dire merci à Dieu. You will have a lot of reason to say thank you, Lord. Hier peut-être que tu n'avais rien. Maybe yesterday you Hier, have nothing. Hier peut-être que tu étais pauvre. You may be poor yesterday. Hier peut-être je sais pas tu étais malade. Maybe you have been ill. Hier peut-être tu étais dans une situation difficile. Or in a difficult situation. Dieu t'a délivré de ça. God free you from that. C'est déjà un sujet de grâce. It is an action to be thankful. Un sujet d'action de grâce. An action of gratefulness. Et dit, Dieu m'a pris derrière le brebis. God take me from Il a sheep. Fait de moi un roi. He made me become a Et king. Si je suis devenu grand, great, ce n'est pas à cause de ma beauté. It is not because of my ce n'est beauty. Pas à cause de ma force. Not because of my force. Ce n'est pas à cause de mes relations. Not because of my relationship. Ce n'est pas à cause de mes bénédictions. Not because of my blessing. Mais c'est à cause de ta bonté. But only because oh, of je voudrais dire à quelqu'un, seule la bonté de Dieu peut t'amener à la grandeur. Only the goodness of God can take you to greatness. Alléluia. Seule la bonté de Dieu peut nous élever, nous qualifier avec Dieu. Only the great goodness of God et can qualify David us. Le reconnaît. And David et parce qu'il reconnaît les bienfaits de Dieu, and because he acknowledged the goodness j'aime of la the Lord, suite. Il y a une conséquence. There's a consequence. Dieu dit qu'il élargit le chemin sous ses pas. He made his path become larger. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse élargir les pas de quelqu'un. May God make your step become que Dieu larger. Vous mette au large. His enlargement.
Tout ça à cause de l'action de grâce. All this because donc l'action de grâce attire la largesse. So it makes him become wider. Vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 9. In 2 Corinthians 9. La Bible dit qu'il a fait des largesses. He said that he's a God of wideness. Dieu fait des largesses. God make wideness. Pourquoi? Parce que quelque part on lui rend grâce. Because somewhere we are thankful. Amen. Deuxième chose, c'est que l'action de grâce doit être une réelle reconnaissance à Dieu. Second thing, it had to be a real gratefulness toward God. Dans Romains chapitre 1, le verset 21. In Romans 1, verse 21. La Bible dit, ayant connu Dieu. The Bible says, knowing God. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. They did not glorify him as God. Et ils ne lui ont point rendu grâce. And they have not been grateful to him. Donc le manque de reconnaissance so the lack of gratefulness va attirer ici, d'après ce contexte, la colère de Dieu. Will attract the anger of the Lord. Dieu se fâche. God is angry. Regarde ton voisin, dit Dieu des fois se fâche. God sometimes gets angry. Est-ce que tu le savais? Dieu se fâche. Hein? Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit merci. He is angry because you have not been thankful. Est-ce que quand tu t'es réveillé ce matin, tu lui as dit merci parce qu'il t'a permis de te réveiller? Did you say thank him? Did you thank him today for raising up? Tu as peut-être oublié. Maybe you forget. Il faut dire merci au Seigneur. You must be thankful to the oh, Lord. Oh, lève ta main avec moi, dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Dis merci Seigneur. Thank you Lord. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. For everything you're doing in my life. Hallelujah. Le pas reconnaître. Not acknowledging ce que Dieu fait what God is doing, attire la colère de Dieu. Attract the anger of the Lord. Troisième chose importante. Third thing, l'action de grâce pour nous doit être une habitude. Action of grace has to become a habit. Ephésiens 5, 20 nous dit quoi? Ephesians 5, 20 says, rendez continuellement grâce à Dieu. Always be thankful to the Lord. Donc les actions de grâce so action of doivent être des choses que nous devons faire de manière habituellement. They have to become something usually in our life. Ça doit life. Pas être de temps à autre. Not sometimes. Régulièrement. Regularly. Sans cesse. Every time. Apprenons à rendre grâce à Dieu. Always learn to be thankful to the Lord. C'est ce que la Bible enseigne. Which is all about. Rendez continuellement grâce à Dieu. Always be thankful to the Lord. Donc tu peux à tout moment dire merci Jésus. You je vois quelqu'un qui va commencer say, tout le temps you, dire Jesus. merci Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Il aime ça. He loves when you say thank you to him. Imaginez un peu, imaginez. Just think about it. Pardon, viens. Imagine. Donne-moi un peu ton portable. J'ai pas de portable. Ok, je te donne mon portable. Dis, je te donne mon portable. I give you my phone. Il m'a donné son portable. He écoutez. He gave me his phone. Maintenant, chaque jour, pardon, merci pour le portable. So every time I say thank you comment to him. Comment tu te sens? How did he feel? Non, sincèrement. Joyeux, oui. Ça fait du bien, non? Ah. Oui ou non? Yeah. Quand quelqu'un te dit merci, tu sens quoi? When someone says thank you, you are happy. Tu sens. Hein? Et puis le lendemain, je dis merci. Tu sais le portable? Merci. Et moi, je dis oh non. Tu vois non? En fait, plus je te dis merci, plus je te stimule à tout. Quelqu'un à qui on dit souvent merci et beaucoup merci va commencer à vous donner des choses. Pourquoi? Parce qu'il attendra que tu lui dises encore. When you say thank you to someone, it's still made that person to say to give you. Non, mais c'est vrai, hein? Tu m'as donné, merci. Tu as oublié, je reviens encore. Ma soeur, tu sais, le jour, ah, merci vraiment. Tu vois, ce que je m'avais donné, oh, vraiment, merci. Tu vas chercher autre chose à me donner. Si toi, un homme, tu es prêt à donner parce qu'on te dit merci, et Dieu qui a tout. Qui veut recevoir de Dieu? Je veux te donner les secrets pour que tu aies toujours des bienfaits. Tu dois être béni et fatigué des bénédictions. You have to be tired of being blessed. Non, tu n'as pas bien compris. En fait, les bénédictions doivent être tellement à gogo jusqu'à ce que tu dises ralentis un peu, c'est trop. You have to say stop, no more blessing. Parce que là où tu es là, tu peux pas dire ça. Where you are, you can't say mais that. Tu dois arriver au point de dire mais diminue un peu. You have to reach a point where you say slow down. Dis merci. Tous les jours, dis, oh Seigneur, merci. Les actes, continuellement. Rendez continuellement les actions. Give thanks to the Lord daily. Amen. Quatrième chose. Fourth thing. On a vu que les actions de grâce sont une expression de confiance. It is an expression of trust. Vis-à-vis de Dieu. Toward God. C'est l'expression de notre foi. It is an expression of our faith. Et on verra tout à l'heure. And we'll see. Notre foi est basée sur la bonté de Dieu. Our faith is based on the goodness of the Lord. Et je dis merci à un Dieu qui est bon, qui est capable de tout. I say thank to a God who is able and who is good. Et en lui disant merci avant même qu'il n'ait agi, je le provoque d'agir. And when I say thank you before he acts, I make him donc, act. Donc les actions de grâce sont aussi des moyens de provocation de l'action divine.
It is also a means through which we provoke divine action. Vous allez voir que beaucoup de choses on est passé à côté parce que on n'a pas eu cette culture, cette mentalité, cette manière de faire les choses ou de voir les choses. Sometimes we miss things because we don't say thanks. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. The Bible says that the goodness of the Lord never ends. Ses compassions ne sont pas à leur terme. His compassion is never end. Elles se renouvellent chaque matin. It renews itself each morning. Car ta fidélité est grande. Because his loyalty is great. Amen. Cinquième chose. Fair thing. Les actions de grâce sont un moyen d'édification de l'Église. It is a way of strengthening the church. Pour édifier l'Église, to edify the church, c'est-à-dire bâtir l'Église, to build the church, on a besoin des actions de grâce. We need action of dans ce cas ici, dans 1 Corinthiens 14, in 1 Corinthians 14, il est question des prières it is a prayer, que nous élevons pendant le culte when we are in a service, pour remercier Dieu. We have to thank the Lord. Bien aimé, lorsque nous venons à l'église, when we come to the church, ce n'est pas pour être là seulement chuchoter. Quand on dit prions, on chuchote. We don't have to whisper to pray. Quand on dit prions, nous pouvons nous lever et lever nos mains et lever nos voix. We have to raise our voice and our hand to pray. Et regarde ton voisin à côté du lit, élève ta voix pendant que tu pries. Say, raise your voice when you pray. Est-ce que tu peux lui parler? Je dis à ton voisin, dis-lui, élève ta voix. Raise your voice when you pray. Parce qu'il y en a quand ils sont là, il dit, moi je prie dans mon cœur. Someone say, I bring my heart. Oui, mais c'est de l'abondance du cœur, de la bouche. En fait, heart by my mouth speak. Tu parles trop, mais sauf dans la présence de Dieu, tu as un problème. Parce que quand on sort ici, oulala, tu débites. Hein? Tu parles. Au téléphone, tu parles. Mais dans la présence de Dieu, il y en a même pour acclamer. J'acclame dans mon cœur. Ah! Tu as déjà vu quelqu'un acclamer dans son cœur? Pourquoi? Alors que dans les actions de grâce, lorsque nous remercions Dieu dans l'église, sans le savoir, il y a des personnes dans l'église qui passent peut-être dans les mêmes situations, peut-être pire que toi, ton action de grâce devient une source d'édification. When you thank the Lord in the church, maybe the person next to you is strengthening himself in this. Nous venons à l'église. Pendant l'adoration, j'adore. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu es bon. Merci parce que tu m'as guéri du cancer. We might be praising the Lord because maybe he cured us from cancer. Tu as rendu grâce à Dieu par ta prière. You have been faithful Mais for your il s'avère que dans l'église même, il peut y avoir quelqu'un qui est là, qui a le cancer. Ce que tu dis va l'édifier. Ah bon, ce Dieu est capable de guérir le cancer? Maybe someone in the church has also cancer which may be strengthened through your prayer. C'est ça l'édification. It is edification. Lorsqu'on élève nos voix, on dit merci à Dieu pour ce qu'il fait, ça édifie, ça encourage les autres. When you raise your voice to give praise to the Lord, this encourages others. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des prières devaient se faire avec des actions de grâce. This is why most of our prayer has to be accompanied with action of grace. Amen. Sixième chose importante, c'est qu'une action de grâce est aussi une affirmation et une conviction ferme. Sixth thing is that action of grace is a firm conviction. Qui peut s'accompagner d'une offrande? Which can be accompanied by an offering. Dis avec moi une offrande. Je t'entends pas bien. Une offrande. An offering. Donc l'action de grâce, an action of grace, au-delà des paroles et des mots, above the words, se traduit aussi par ce qu'on apporte à Dieu. Can be translated in what we are simplement pour lui dire merci. Just to say thanks. Amen. Pour exprimer sa gratitude. To express our gratefulness. Et ça aussi, ça touche énormément le cœur du Seigneur. And this touches the heart of the La Lord. Bible parle de ça dans 2 Corinthiens 4:15. In 2 Corinthians 4:15. Notez ça, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11 à 12. 2 Corinthiens verse 9. Et puis Lévitique 7, verset 12. Leviticus 7, verse 12. Ces actions de grâce sont comme des libéralités. Action of grace or life. Dieu a fait pour toi quelque chose de grand. God has done something great for you. Dieu t'a gardé, il t'a protégé. He keep you and guard you. Dieu t'a donné un an de plus dans ta vie. He give you one more year in your life. Tu peux penser aussi à une offrande. Seigneur, voici mon action de grâce. You can give an offering, an action of grace. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est un signe de reconnaissance. Parce que souvent nous demandons, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais après qu'il nous est donné, est-ce que nous sommes reconnaissants pour dire merci? Sometimes we ask, and we, after receiving, we are not thankful. Dis à ton ami, tu dois dire merci à Dieu. You must say regarde, regarde-le, regarde l'enfant, dis-lui, tu dois dire merci, dis-lui. Dis merci Seigneur.
Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, on a même du mal à dire merci. Quand tu te réveilles directement, Seigneur, garde-moi la journée. Tu n'as même pas le temps de dire merci, t'as gardé la nuit. Today we have difficulty saying thanks. Tu es toujours vers le futur. Toujours pour des choses à voir. Mais ce que tu as déjà, tu ne prends pas le temps de dire merci. But you are not thankful for what you have already. C'est un piège. It is a trap. Alors pourquoi faut-il rendre des actions de grâce? So why should we ask do grateful actions? Nous avons ici cinq raisons que je vais énumérer. There are five reasons qui sont importantes pour les actions de grâce. Which are important for la première chose, c'est que l'action de grâce est un ordre divin. Well, first of all, it is a divine law. C'est une exigence divine. Dieu l'exige. It is what God asks from you. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessalonians 8, on l'a lu 5. Tout à l'heure. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Be thankful to the Lord in all things. Dans toutes les circonstances. In all circumstances. Écoutez, on ne rend pas grâce à Dieu quand tout va bien seulement. We don't only praise him when everything is Parce good. Qu'il y a des moments où les choses ne vont pas bien. Sometimes things don't go good. Il y a des moments où vous êtes en difficulté. When you're going through difficulties. Il y a des moments où vous avez des problèmes. When you got problems. Peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, Dieu dit, rendez grâce à Dieu. No matter the situation you may face, God asks you to be thankful. Vous savez que humainement, c'est difficile de dire merci quand les choses vont mal. It is difficult to say thanks when things are going wrong. La chair n'accepte pas ça. The flesh that refuses Mais Dieu te that. Dit, dis merci même quand ça ne va pas. But the Lord tells you to be Je thankful. Te rends grâce parce que ma souffrance vient de commencer. You say thank you, Lord, because my suffering just started. Il y a quelques années, quand je passais par des zones de turbulence, mais atroces, un jour j'étais même à genoux en train de pleurer, de prier, je pleurais, et tellement que je pleurais, j'arrivais pas à expliquer les choses. J'ai dit à Dieu seulement, je te rends grâce parce que ma souffrance vient de commencer. Sometimes I was going through some tough time. I was going through great difficulties, but I thank the Lord because I told him that my suffering just started. Qui peut remercier Dieu quand il souffre? Who can thank God when he's suffering? Non, sérieux. Seriously. Première attitude quand tu souffres, c'est pas juste. First attitude Donc, is unfairness. C'est toi qui dois enseigner à Dieu ce qui est juste. So you have to teach God what is fair. Ouais, toi qui m'aimes. C'est pas juste. This is not fair. C'est pas juste. This is not fair. Donc tu vas enseigner à Dieu ce qui est juste. So you're going to teach the Lord what is justice. Pourquoi seulement moi? Why only me? Eh bien, pourquoi pas toi? Why not you? Et quand on va te dire pourquoi pas toi? Why not you? Oh mais pasteur, je souffre trop. Ah oh, Jésus. Pourquoi pas toi? Not why, not you. Merci parce que tu permets que je souffre. Thank you because you allowed me to mais suffer. Mais tout ce que je sais. But only thing I know, c'est que mon Rédempteur est vivant. But my Redeemer is Alléluia. Et qui se levera le dernier. And but he will rise le problème, ce n'est pas le présent. The problem is le problème, c'est que quand tu rends grâce à Dieu, when you're thankful to the tu Lord, responsabilises Dieu pour qu'il intervienne. So you ask God to oh, je mérite de dire, il est le spécialiste des cas impossibles. He's a specialist of impossible il est cases. Le spécialiste des changements du mal en bien. He changed the bad into good. Joseph pouvait pleurer, dire ah vous m'avez fait du mal. Il dit non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. God sent me here. Tu sais quand tu rends grâce à Dieu, when you gave même quand les autres te font du mal, tu dis non c'est Dieu qui permet ça. When people hurt you, you say God allowed this. Ne maudis pas les gens, c'est pas leur faute. Don't curse people. Dieu permet parce que il y a des douleurs. Si les gens ne te font pas ça, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Sometimes you go through suffering. Tu es devenu ce que tu es parce que aussi tu as eu beaucoup d'opposition. You are who you ah, are ça t'a façonné, ça t'a taillé, ça t'a préparé. This has prepared you. Ça va. You are safe. Il y a des souffrances qui te préparent à la grandeur. There are suffering which prepare you for greatness. Ce que j'ai compris avec Dieu, avant de monter, on descend. What I learned with the Lord before getting up, you have to get ah, down. Tu n'as pas bien compris. Quand Dieu te dit je vais t'élever, attends-toi d'abord à la descente. When God said, I'm descente, take you high, descente aux enfers. Prepare to go to des hell. Difficultés. Difficulties. Des problèmes. Problems. Où tu dis je ne pige rien, je ne comprends rien. See, I don't understand a thing. Dieu aime quand tu ne comprends rien. God love when you tu don't es understand en train de thing. Nager, mais tu as perdu pied. You are swimming, you no longer feel Mais the tu es dans le courant de Dieu. But you are the current of Entre God. Les mains du Saint-Esprit, je m'abandonne. In the hand of the Holy Spirit, ah, I le Dieu là a dit, je ne t'abandonnerai jamais. I will never forsake you. Et je ne te délaisserai jamais. I will never leave you. Merci pour mes problèmes. Thank
thank you for my trials. Oh, dis avec moi, merci pour mes problèmes. I say thank you for my trials. Non, dis-le, merci pour mes problèmes. Thank you for my trials. Parce que c'est toi qui es ma solution. Because you are my solution. Ah, la solution ne vient pas de mon oncle. My solution don't la solution ne vient pas de mes parents. La solution me vient de Dieu. Merci pour ces problèmes. Thank you for this trial. Si je n'avais pas eu de problèmes, cette résolution n'aurait jamais existé. If I didn't go to trial, this church donc merci pour les problèmes. So thank you for the trial. N'est-ce pas, Sarah? S'il n'y avait pas les problèmes, certains problèmes, en fait, c'est ton cas d'entraînement. Some problems are just to train you. Est-ce que je peux parler à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu cet après-midi? Amen. Donc, ne sois pas là. Moi-même là. Don't be there. On m'aime. Personne n'est même. Oh. Nobody love me. Oh. Tout le monde m'a abandonné. Everybody forsake me. C'est bien. It's good. Comme ça, le jour où tu seras élevé, ils diront pas c'est nous. Amen. Le jour où Dieu va te lever, God will ces gens qui t'ont abandonné, who forsake you, ils vont reconnaître que non, c'est vraiment Dieu. They will acknowledge it is parce que really s'ils étaient là, ils ont dit non. Si elle est venue comme ça, c'est grâce à moi. It is only because of God. C'est moi qui lui ai payé les études. God pay his finances. C'est moi qui ai fait ça. I do this. Non, non, tu n'as rien fait. You didn't do le Dieu du ciel. Ah, je dis ça à quelqu'un, le Dieu du ciel. C'est pourquoi continue à les rendre grâce. Dis, je rends grâce, je rends grâce. Je I'm rends grateful. Grâce. Non, je t'entends pas. Dis, je rends grâce, je rends grâce. I'm grateful. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai qu'envie. Je ne sais pas, peut-être je vais continuer encore le message dimanche prochain. Hein. Je vais seulement rendre grâce. J'ai seulement envie de dire merci. I just merci. Want to say thanks. Ah, thanks. Non, non, tu ne comprends pas. Je n'ai pas besoin de dire merci. Merci. Just say thanks. Merci. Combien sont au bled là-bas? Ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à avoir les visas. How many people are there having their money but not their visa? Toi maintenant, c'est devenu normal. It has become normal. Bon, pour un Antillais, il comprend pas. Mais pour un vrai Africain, il comprend ce que je dis. Oui ou non? Dossier comme ça, régé. Maison Schengen fermée. Oh, les Mgoulou là, les. Tu payes des gens pour t'aider à venir. Ils te bouffent l'argent. Mais toi, tu es ici. Amen. Quand même. Fais comme ça. Quand même. Amen. Pourquoi tu te plains alors? Dis merci. Stop complaining. Même si ce n'est pas de maison. Mais au moins, je suis là. Even if I don't have a house, I'm there. Même si je manque, au moins, j'ai la santé. Even if I lack, I'm in good health. Parce qu'il y a des gens qui ont. People have. Mais tous les jours, ils doivent faire la dialyse. But every time you have to go to tous hospital. Every time. Tous every les day. Vous savez c'est quoi la dialyse? You know what it is? Yeah, it is. C'est très compliqué. Frère, rendons grâce à Dieu. Be thankful to the Lord. Ça va éviter les murmures dans l'église. Je vous assure, vous comprenez ce message? Plus personne ne va murmurer. If you understand this message, you will no longer whisper. Non, moi, même pas. Dieu m'a déjà aimé, ça suffit. J'aime bien ce qu'un homme de Dieu avait dit ici. L'apôtre Kine, il faut dire, si ici on ne t'aime pas, va en Chine. Va en Guangzhou. If people don't love you here, go somewhere else. In Guangzhou. In Guangzhou. Guangzhou. You don't know Guangzhou? En Chine. China. Go in China. Là-bas, au moins, tu as des gens qui ont des petits jeux comme ça. Tu diras, ni ha, ni ha, ni ha, ni ha, ni ha. You are going to say, ni hao. Hallelujah. Amen. Dis, je rends grâce à Dieu. Say, I'm thankful to the ah, Lord. Ah non, j'aimerais que je le dise avec conviction. Je rends grâce à Dieu. Say, I'm thankful to the Lord. Maman, papa, jeune homme, rendons grâce à Dieu. Be thankful to the Lord. Amen. Amen, amen. Vous lirez Psaume 50, versets 14 à 15. You will read Psalm 50, verses 14 and 15. David parle d'offrir des sacrifices d'action de grâce. David speaking about doing action of grace. De sorte que le jour de la détresse que Dieu te délivre. So that the day of distress God can free you. Il y a des actions de grâce, ce sont des actions que nous posons pour que dans le jour du malheur que Dieu vienne à notre aide. Action of grace that we do, but in the day of when things go bad, God can deliver us. Verset 22, il dit, prenez donc garde à ces choses et n'oubliez pas Dieu. Beware all these things and never forget the Lord. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on ne rend pas grâce à Dieu, en gros, on oublie Dieu.
When we are not grateful to the Lord, it means that we forget God. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ont déjà oublié Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne rendent pas grâce. Some people forget about God. Donc quand tu ne rends pas grâce à Dieu, en gros, tu as oublié Dieu. When you are not saying thank you to the Lord, you forget him. Sois conscient de sa présence et dis-lui merci. So be thankful to him always. Amen. C'est de lui que nous avons tout. It is for because of him that we have all. Est-ce que tu sais que même la force pour aller travailler, c'est lui qui te donne? Even the strength to go to work comes from aujourd'hui, him. Aujourd'hui, tu es terrassé par un cancer, une maladie, tu ne vas plus travailler. Today, if you get a disease, you will no longer tout be able to tu work. Tout ce que tu as, ça vient de lui. Everything you are, everything you have, come from God. Ne l'oubliez jamais. Never forget this. Le mariage que tu as aujourd'hui vient de Dieu. The marriage that you have today comes from the Les Lord. Les enfants que tu as, si tu as des enfants, viennent de Dieu. Your children come from the Lord. Tout ce que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Everything that you have come from Alors, the Lord. N'oublie pas ce Dieu. So never forget this God. Qu'il reste toujours ta priorité. He become or he remain always your priority. Les choses doivent être secondaires. Never will put him the second place. C'est ça, ne pas oublier Dieu. This is what I mean by not Offrir forgetting des sacrifices. God. Offering sacrifices. Il y a une puissance cachée derrière. There is mighty power La deuxième behind. Raison pour laquelle nous devons faire des actions de grâce. The second reason is. C'est que les actions de grâce permettent de conserver ce que Dieu nous a donné. It allows us to keep the thing that the Lord gave to us. Je dis bien, ça permet que nous puissions conserver ce que Dieu nous a donné. To keep the thing that the Lord gave to us. Malachi 2, 1 à 3. Malachi 2, 1 à 3. Vous lirez à la maison. Dieu s'adresse aux sacrificateurs God speaking to the priests, qui sont des serviteurs de Dieu who are the servant of the Lord. Et il leur fustige en disant que vous n'honorez plus Dieu. He said that you no longer honor the Lord. Et quand vous lisez la suite, And when you read the Dieu va dire, je vais vous envoyer la malédiction. God said that I will make fall upon you parce curses que vous ne m'avez pas rendu grâce. Because you haven't been grateful. Donc j'ai compris qu'il y a des malédictions qui viennent de Dieu. So I start knowing that there are curses from God. Lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu, when you are not grateful to the Lord, on peut être maudit. We can be cursed. Si on ne rend pas grâce à Dieu, if we are not grateful to the Lord, c'est dans la Bible. It is in the Et Bible. La deuxième chose que j'ai vue, And the second thing that I Dieu saw, dit, je vais maudire vos bénédictions. He said that I will curse your blessing. Attends, la bénédiction vient de qui? The blessing comes from where? N'est-ce pas de Dieu? From God. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. It is the blessing of the Lord which makes us worthy. Et il a fait suivre d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, parce que tu ne me rends pas grâce, je veux maudire tes bénédictions. God said that because you are ungrateful, I will Donc, curse your blessings. Dieu blessing. Te donne. So God gave mais you. Si tu ne rends pas grâce, il maudit ça et tu le perds. So if you are ungrateful, he can curse it and you C'est lose ainsi it. Que certains d'entre nous perdons des choses qu'on devait avoir. This is how some of us lost things that On we are perd des opportunités, have. Des contrats qu'on devait avoir. We lost opportunities and contracts. On perd des faveurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de Dieu. We lost favor only because we have been ungrateful Et Dieu dit, to God. Honore-moi. He said, honor me. Bien-aimé, le Seigneur insiste depuis un certain temps pour dire à l'Église, nous devons honorer Dieu. God is insisting on saying that we have to honor God. Un moyen de l'honorer, c'est en lui rendant grâce. One means of honoring him is by Pour being conserver grateful, ce que Dieu nous a donné. To keep what he has given Je to us. Je donnais une illustration ce matin. I give an illustration today. Vous voyez ce panier? You see this bucket? C'était un, je sais pas, un vase ou quoi? It was a pot or something like that. Et qu'on le remplissait. And that you filled it. Vous le remplissez? You fill it up. C'est censé être rempli, non? It is supposed to be full. C'est ça? Votre vie est comme ce panier. Dieu bénit. Dieu envoie des bénédictions. Your life is like his basket. God Maintenant, blesses it. Quand vous ne rendez pas grâce à Dieu, Dieu envoie la malédiction. When you are not grateful, God sends La malédiction peut être un trou, là. It bring a hole in the pot. Tout ce qui va rentrer ici, s'il y a un trou, qu'est-ce qui va se passer? Everything that will go in. Non, répondez-moi. S'il y a un trou là. Tout ce que vous allez mettre dedans, qu'est-ce qui va se passer? If there is a hole, everything you keep speaking inside. Voilà comment on n'arrive pas à arriver à l'abondance. This is how we miss exceeding. On a, mais on perd toujours. We always have, but we always lost. Tu y as, mais tu perds toujours. You always have, but you always lost. Parce que quelque part, il y avait une malédiction. Because somewhere there is a curse. Alors que l'action de grâce te permet de conserver. Action of grace allowed you to keep. S'il n'y a pas de trou, je conserve tout ce qui est dedans. If there is not hole, I will keep everything. Et plus on met plus, ça va déborder. And will become exceedingly. Donc l'action de grâce est un moyen de débordement, d'abondance, de faveur divine. It is exceeding favor, grace of God. Alléluia. Est-ce que tu as rendu grâce à Dieu pour ta famille? Have you been grateful to the Lord for your family? Toi qui es marié, pour ta femme, pour ton mari.
For your husband or your pour wife. Pour tes enfants. For your children. As-tu rendu grâce pour ton travail? Have you been grateful for your work? Il y en a quand ils ont un travail, au lieu même de dire merci à Dieu, ils commencent, c'est quoi ce petit travail-là? C'est mauvais travail, c'est ceci. Tu minimises ça au lieu de dire merci à Dieu. Sometimes we build a little thing that God gave to us instead of saying thank you. Parce que tu gagnes pas assez. Our job because we don't earn much. Tu préfères avoir un petit travail où tu gagnes peu ou tu veux rien avoir? Do you prefer a job which is little paid or be jobless? C'est ça le problème. Commence déjà à dire merci à Dieu pour ce que tu as. Stop thanking the Lord for what you have. Et quand tu as ce que tu as, tu peux maintenant demander à Dieu plus. When you have what you have now, you can ask Mais for the Lord more. Mais ne méprise pas ce que tu as. Don't neglect what you have. Dis merci. Amen. Be thankful. J'ai pas un grand travail, j'ai un petit, mais merci déjà pour ça. If you have a little job, say thank you for the Lord. Amen. Et quand tu dis merci à Dieu pour ça, il est en train déjà de te créer une ouverture pour te donner une promotion, un travail mieux que ce que tu This as. This is how he creates opening for promotions. Admettons, tu viens dans une société. Just let us say you go into a company. Le boss te prend, le PDG te prend, il te met dans un poste, il te voit que tu n'es même pas reconnaissant, est-ce qu'il va t'élever? If you don't work well, he will not promote you. Mais si tu es reconnaissant, tu essaies d'être fidèle. If you are loyal lui and faithful, mérite la promotion. He will promote C'est la même you. Chose avec Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent à côté. This is how Christians miss faith. Ils ne savent pas apprécier même le peu qu'ils ont. They don't know how to appreciate the little Je they n'ai pas have. Grand chose, mais j'ai quand même quelque chose. Even if Merci I don't have pour much, cela. I have something. Thank et, je veux, for this. Et j'aurai plus demain. I will know how we'll have much tomorrow. Qui veut avoir plus demain? Qui veut avoir plus? Si tu ne dois pas lever ta main, tu auras moins. Nous, on a levé la main plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Dis avec moi, merci Jésus. Oh, dis encore merci Jésus. Thank you, Jesus. Oh, tu ne perdras plus ce que Dieu t'a donné. You will no longer oh, je lost déclare, what God tu ne perdras plus ce que Dieu t'a you donné. Will not lost what God tu ne perdras plus le ministère. You will not lost tu ne your perdras ministry. Plus les dons spirituels. You will not tu lost ne perdras the spiritual plus gift. Le zèle. Tu ne perdras plus la bénédiction que Dieu met entre tes mains. Que cette bénédiction puisse augmenter. This blessing is going to grow. Je disais à deux de mes filles tout à l'heure, je disais, je vous vois déjà occuper des hautes fonctions dans ce pays. You are going to have great job in this country. On a besoin des gens qui vont devenir des maires des villes. They become municipality council. Je crois que tu ne crois pas, mais moi je crois ça, je déclare ça. On a besoin des gens qui vont avoir des postes d'influence, des postes de décision. People will have decisive posts. Il y a quelqu'un qui veut ça, hein? Quelqu'un veut ça, lève ta main. Si tu veux ça, que cela soit ta part au nom de Jésus. Des postes de décision. C'est-à-dire que quand on veut prendre une décision dans Ville Neuve, le roi, c'est toi qu'on va voir. You will become important people here. Maintenant, si on vient te voir, toi, tu es un pasteur. Donc, en retour, si tu veux me voir. Amen. Ah, tu n'as pas bien compris comment ça marche. Imagine, je suis le conseiller d'un président. Donc, ce président, avant de prendre des décisions, il m'appelle parce que je suis son pasteur. En train d'arriver. Ok, je sens que quelqu'un ne croit pas, mais c'est en train d'arriver. Nous allons diriger. We will direct this country. Alléluia. Amen. Quand on dit chrétien, c'est pas des pauvres noirs misérables qui manquent à faire, qui vont que chanter, danser puis rentrer chez eux. Non. Christians are not poor people just praising the Lord. C'est des gens sérieux. They are serious people. Très intellectuels. Intellectual people. Très intelligents. Intelligent ayant people, les finances. Having finances. Influençant la société. Influencing society. Avec la puissance de Dieu. With the power of the Lord. Avant de commencer le travail à la mairie, tu vas imposer la prière. You have to pray for all things. Oh, je vois ces choses arriver. Et tu vas voir tout le monde va combattre. Il y a des gens déjà ici, c'est ça qu'ils font, hein. Enterrer les noms. Il y en a, ça a déjà commencé. Avant que tout le monde travaille, prière. Before starting to work, pray. Et dans la prière, quand l'onction descend, il y a aussi des délivrances. When the anointing comes down, there is people who are praying. Je suis parti travailler, mais on chasse les démons. There are demons who chase away. Ah, j'aime cette puissance. Est-ce que tu crois? Do you believe? Est-ce que tu le crois sincèrement? Do you believe it? Mais je voudrais dire une chose. Je veux dire à quelqu'un ici, je le sens dans l'esprit. Ne pensez pas que quelque chose qu'on est en train de déclarer, c'est pour vous exciter. Hein? On est très sérieux. Ici, c'est des choses sérieuses qui se passent. We are speaking about serious things. C'est des destinées qui sont en train de se créer comme ça. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Don't take it lightly. Attendez 3 ans, attendez 5 ans, vous allez voir. In some years, you will see. Ne sois pas pressé, tu vas voir. Don't be in a rush, you will see. Ah, oui. Vous venez comme ça à l'accueil, c'est des millionnaires qui à l'accueil. Amen. Parce que vous pensez.
frères, sœurs, si les gens du monde voient ça chez nous, if people in the world see this thing, non, vraiment, ce peuple est béni. They will say these people are blessed. Nous avons besoin de rendre action de grâce à Dieu. We have to give thankful action to the Lord. Autre chose par rapport aux actions de grâce, l'action de grâce précède l'intervention de Dieu. It precedes the intervention of the Lord. Jean chapitre 11. John 11. À partir du verset 25 jusqu'au verset 42. Verse 25 to 42. Nous voyons là Lazare était mort. Lazarus was dead. Et Jésus est venu pour le ressusciter. And God, Jesus came to resurrect him. Alors que tout le monde pleurait. Everyone was crying. Tout le monde était abattu. They were all down. Il devait avoir une intervention divine. There must have been an intervention. Mais vous allez voir que Jésus-Christ va faire quelque chose de très important. But Jesus will do something avant important. Avant même de prier pour la résurrection de Lazare. Before praying. Il rend d'abord grâce. He gave thanks to the Lord. Qu'est-ce que cela nous enseigne? What does this teach us? C'est que vous pouvez par votre action de grâce déclencher un mouvement surnaturel. Through the action of grace, you make things supernatural. On voit dans ce cas, Jésus rend grâce avant que le miracle ne se produise. He gave thanks to the Lord before the miracle Donc, happens. Il y a des actions de grâce qui sont déclencheurs de l'action de Dieu. These are actions of grace which make action of miracle happen. Après avoir rendu grâce. Before, il a dit Lazare sort. He said Lazarus go out. Il y a eu un miracle. Et quand on parle du miracle, on voit la dimension surnaturelle. This is a supernatural dimension. On voit l'intervention de Dieu là où l'homme ne peut pas agir. Intervention of God where man cannot Et intervene. Chacun de nous ici a besoin d'un miracle dans sa vie. We all need a miracle tu in our life. Tu es dans une situation où personne ne peut t'aider. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. You are in a situation where nobody can Et help. Ton action de grâce peut déclencher. And your action of grace can make un miracle. Can make him Je vous en prie. Je vous en prie. Vous voulez voir Dieu agir dans une dimension? If you want to God in a dimension, dis j'amène mon action de grâce. Do an action of grace. Et il dit Seigneur, je te remercie. He said, God, I thank you. Parce que tu as déjà fait. Because you already made. Il n'a pas encore fait, hein? He didn't make Mais tu lui dis, je te remercie parce que tu as déjà fait. You say, I thank you because you already tu do engages it. Dieu à faire. You make God do dans it. Cette condition, il est obligé d'intervenir. He is forced to intervene. Il vous sera fait selon votre foi. It will happen only through your faith. Alléluia. According to Autre chose. Another thing. L'action de grâce. Action of grace. Permet la multiplication de tout ce que tu possèdes. Allow all the things that you have to be multiplied. Dieu t'a donné des choses. God gave you things. Peut-être ce que tu as c'est très peu. Maybe you have little. Tu sais pas comment subvenir à tes besoins avec le peu que tu as. You don't know how to meet your need with a little that you have. Il y a aussi un autre secret de la multiplication. This is a secret in multiplication. L'action de grâce. Jean 6, 1 à 14. John 6, 1 à 15. Et dans ce texte, on nous dit, Jésus-Christ enseignait quelque part, il y avait une grande foule. Jesus was teaching somewhere as a great crowd. Et les gens avaient faim parce qu'ils l'avaient suivi pendant 3 jours. People were hungry because they followed him for 3 days. Et le Seigneur dit, donnez-leur à manger, mais ils n'avaient rien. They say, give feed them, but they have nothing. Et ils ont trouvé un jeune homme qui était là avec 5 pains et 2 poissons. They see a little man with 5 bread and 2 fish. Jésus va opérer un miracle à partir de peu. God, Jesus will do a miracle from little. Bien-aimé dans le Seigneur, en étudiant un peu la Bible, j'ai compris que très souvent, Dieu agit toujours à partir du néant. God always acts from where they miss. C'est pourquoi que le néant ne vous fasse pas paniquer. Ça peut être le déclenchement d'une action de Dieu. The mist can be a way through which God intervenes. Oh, je n'ai rien, je vais faire comment? Ce n'est pas le problème d'avoir rien ou peu. Dieu peut prendre que le peu là, mais c'est un Dieu de multiplication. God can take the little thing and multiply it because he's a God of multiplication. Il a pris les 5 pains et les 2 poissons. He takes the 5 bread and the 2 fishes. La première des choses qu'il va dire à la foule. The first thing he's going to say to a crowd. Il va leur dire asseyez-vous. He says sit down. Regarde ton voisin, dis-lui assieds-toi. Look at your neighbor and say sit down. Non, dis-lui, regarde-le en face, dis assieds-toi. Say sit down. Ma sœur, mon frère, ce soir, je te dis assieds-toi. I told you sit down. S'asseoir, c'est une position de repos. It is a way of relaxing. S'asseoir, c'est une position de confiance. It is a position of trust. C'est une position où on attend l'intervention de Dieu. It is a position where you wait for the divine Alléluia. Intervention. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. It says that in the calm and peace and trust. C'est dans le repos. It is in rest. Quand Dieu te dit assieds-toi encore, il veut te dire ne sois pas paniqué. When he says rest, he says don't panic. Ne panique pas. Don't be panicked. Calme.
Just take Parce que le Dieu que tu sers maîtrise la situation. Because the God that you serve is si tu es paniqué, la barque va chavirer. If you panic, the boat gonna sink. Parce que sous l'effet de la peur, tu risques de te noyer et noyer aussi les autres. When you're afraid, you take the risk Dis avec of moi, je suis calme. You say, I'm at peace. Dis, je suis assis. You say, I'm seated. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? So what Jesus did, il prend les cinq pains et les deux poissons and the two fishes, et il rend grâce. He say, thank you. Bien aimé, si tu fais un miracle de multiplication, he do a miracle of multiplication, amène à Jésus le peu que tu as. Bring to Jesus a little that you et have. Et dis-lui, multiplie cela. And he say, multiply this. C'est un Dieu de multiplication. He's a God of multiplication. Amen. Oh, que Dieu multiplie ce que tu as. May God multiply what que you Dieu have. Multiplie ce que tu as. May he multiply what et you la have. Bible dit que et tous ils ont mangé. The Bible says that they were all et fed. Même 12 paniers est resté. And 12 baskets was left. Tu vas manger jusqu'à fatiguer. You will eat till you get tired. Tu n'as jamais, en fait, depuis que tu manges, tu n'as jamais mangé. You will eat like never before. Parce que les enfants d'Israël tellement ils avaient faim, Dieu dit, je vais vous donner des cailles, vous allez manger jusqu'à ce que ça vous sorte par les nez, les narines. Tu as mangé jusqu'au au point la nourriture sort par les narines. You will eat till the food gets out of your nose. C'est des tables. Hallelujah. Je suis tellement dans la joie. I'm so in joy. Parce que le temps où je vais manger, Alexis arrive. Because the day I'm going to eat, he's happening. Le temps où un frère et une sœur ici vont manger, Alexis arrive. It is happening. Je dis bien, ça arrive. It is happening. Ne regarde pas le présent, dis ça arrive. Don't look at the present time. Présente ça happening. À Dieu. C'est en train d'arriver. It is happening. Le miracle est toujours surnaturel. The miracle is always Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. It is not because you don't see it, but it doesn't exist. Ce n'est pas tout ce qui est tout ce que tu vois, c'est pas tout ce qui existe. Everything that you see doesn't exist. Il y a encore des choses qui existent que tu n'as pas encore vues. There are things that exist that you don't have seen. C'est pourquoi ne mets jamais un point sur ma vie. So never put a point or dot on your life. Et quand tu n'as pas quelque chose, il faut jamais dire, moi je n'aurais jamais dit, je n'ai pas encore. Say that I don't have now. Ah, regarde à ton voisin, dis-lui, je n'ai pas encore. I don't have now. Mais dis, j'aurai. But I will have. Ça, je n'ai pas encore. Jet privé, je n'ai pas encore, mais j'aurai. I don't have it yet, but I will have it. Ça, c'est Amen. Ma dimension. Parce que je vois déjà les âmes qu'il faut gagner dans le monde entier. Donc, je lance déjà un appel. J'ai besoin d'un jet privé. I need a private jet. Minimum 30 places. But minimum 30 places. Amen. Parce qu'on doit aller dans les campagnes d'évangélisation, dans les villages au fond là-bas, prêcher la croix de Jésus. You are going to preach the cross of Jesus. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Pas encore. T'es pas marié? Not yet. Oh, moi vraiment dans nos familles il y a des liens. Non, ne dis pas ça. Married? Dis pas encore, ça arrive. I'm not married now, but I'm going to get T'as married. Pas encore d'enfant? Non, pas encore, mais les triplés arrivent. I don't have kids, but I will ah, have. Je suis venu dire à quelqu'un que personne ne mette un point à ta vie. Everybody tu es dans la saison des pas encore. You're in the season of not yet. Tu n'es pas encore propriétaire? Non, pas encore. Mais j'ai déjà 3 maisons que j'ai déjà visitées. I will become an J'ai dit le matin, on a déjà visité notre salle. We have already Grande visited salle, the new capacité church. Capacité d'accueil de plus de 1200 personnes. Our avec capacity of avec des bureaux people. Annexes. C'est pas des mythes, c'est la réalité. This is reality. Et nous aveuglons toute personne pour acheter ça avant. Every people Parce que c'est à nous. Blind, so Parce qu'il y avait quelqu'un it. Qui devait prendre ça, on l'a chassé. Il a dit, je prends plus. Donc c'est à nous. Et c'est juste à côté. Tu as 3 lignes de bus qui te donnent devant. Tu as 2 gares. En plus, on vient d'acheter une deuxième navette, 9 places. Ah, mais ça, c'est pas la bénédiction, ça. Non, je sais pas si tu comprends. Au fait, c'est que le début de la saison, de la semence et des moissons. Dis à ton ami, c'est le début. This is the beginning. Je te vois déjà porter plusieurs bébés dans tes mains. Moi, je vois déjà beaucoup de bébés, d'enfants spirituels que je suis en train d'engendrer dans le monde entier. Ah, je suis en train déjà de voir beaucoup de blancs qui vont être en jeu. Beaucoup viennent maintenant. Il y en a qui viennent de la Normandie. Ils sont combien? 8. Ils disent, pasteur, forme-nous. Ils viennent. Ils vont commencer à venir. Ils viennent. Dis à ton ami, ils viennent. C'est pourquoi préparez-vous. Pas de lingala ici, s'il vous plaît. Amen. Pas de créoles, s'il vous plaît. French and English. Ok. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Il y a des grands hommes d'affaires qui viennent. C'est pourquoi on a commencé à mettre déjà la clim. Parce qu'un homme d'affaires, il n'a besoin pas de transpirer.
comprenez non? There will be business people coming here. Quand je dis homme, c'est toi aussi, You will become a businessman also. Regardez. A businesswoman. On attend votre semence, on attend. C'est déjà là. Et le grand bâtiment là, tout sera climatisé. Amen. The new building will be. Et quand tu rentres, pas seulement climatisé, l'atmosphère du ciel. Roposhaka, la gloire de Dieu. Oh, je te dis, ça va être. Dis avec moi, ça va être quelque chose. This will be something. Parce que je vois des nations. Vous avez vu le matin? Le matin, il y a eu presque 20 enfants qui étaient debout. Marc, c'est ça, non? Débordés. There were people overcrowded here today. Okay. C'est la main de Dieu. Donc dans ce bâtiment là on sera débordé parce que mon père spirituel m'a dit, j'ai vu tu as fait 3 cultes dans un bâtiment de plus de 1200 personnes. J'ai dit amen papa, je reçois. Donc je quand un père parle, il faut savoir saisir. Le daddy a parlé, j'ai dit mais I take it. La Bible dit demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage. The Bible says, ask me, I will give you. Le problème, c'est nation. Que tu n'as pas encore vu et tu dis c'est peut-être pas possible. Moi, je dis c'est pas encore, mais c'est en train d'arriver. Say that it has not yet happened, but it will happen. Préparons-nous à avoir deuxième culte rempli, peut-être troisième culte et puis peut-être quatrième culte. We will have a third, a fourth service. C'est pourquoi venez servir dans la cora, dans l'accueil. Venez, on a besoin de serviteurs. Venez, servez. So come and serve. On va faire plusieurs services. Dites amen. Multiplication. Je dis à Dieu, tu dois nous multiplier. I say God, you have to multiply us. Le nombre que nous sommes aujourd'hui. Avant la fin de l'année, today, il faut qu'on se multiplie fois 3. We have to multiply by 3 by the end of the year. Je ne sais pas les 31, on va faire comment. Peut-être on va louer un bâtiment de 1000 places. Je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà la conférence préparée, il y aura une tente dehors. On est déjà débordé. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Mais le 31, dis avec moi, ça va être grave. Parce qu'on ne sait pas la vision de Dieu pour l'année prochaine. Nous, on a dit cette année, conquête. Dis avec moi la conquête. Dis encore la conquête. Conquest. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. It is a reality. Amen. Amen, amen. Qui le croit? Que Dieu te multiplie. Tu veux qu'il multiplie quoi? Ton compte en banque? Qu'il multiplie ton compte en banque. Tu veux qu'il multiplie quoi? Tes entreprises, tes affaires? Qu'il les multiplie. Oh, je dis que Dieu vous multiplie. God que Dieu multiplie cette église. Déjà, Nanterre, il commence à avoir plus de place. Ça commence à se remplir. Qu'il multiplie. Lyon, qu'il multiplie. Oh, ça va se multiplier. God parce que multiply everywhere. Ça. Dieu dit seulement, qui enverrai-je? Y a-t-il des gens prêts? Y a-t-il des gens prêtes? J'ai dit, moi, me voici. Je m'engage à 100%. Corps, esprit et âme. Yeah. Alléluia. Les actions des grâces. J'ai dit à Dieu, ce que tu donnes, je te dis merci. Toutes les âmes qui viennent, je te dis merci. Donne encore plus. Et quand tu lui dis merci, ça permet de conserver ce qu'il t'a déjà donné. Et ça lui permet de te donner encore plus. Mais quand tu n'es pas reconnaissante, il dira, quoi bon te donner? Parce que même quand je te donne, tu n'es pas gratis, tu n'es pas reconnaissant. Vivons la reconnaissance. Que ce message soit un message que nous allons appliquer tous les jours. Chez toi, à la maison et partout, soyons des chrétiens reconnaissants. Amen. Retire cette parole. Je t'en prie, je t'en supplie de la part de Dieu. Mets-le en pratique. Je ne veux pas t'exciter, mais je veux t'amener, te montrer la bonne voie que tu vas appliquer pour que ta vie ne soit plus jamais une vie de misère, une vie de galère. Alléluia. Et même quand tu vivras la misère, Dieu changera cette misère-là en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.